Pensez-vous qu'avec la technologie de manipulation génétique CRISPR-Cas9, on pourrait créer des humanoïdes avec des bites de cheval et des culs de poulain? Ça me rappelle mon prof de yoga à l'époque, qui effectivement était à peu près le même. Ouais. On l'appelait Giant Cuckoo d'ailleurs, je crois qu'il a percé dans le cinéma à une époque. Et effectivement, il m'avait dit, écoute gamin, nous ne sommes pas tous faits pareils. Et j'avais essayé d'un peu voir derrière ces sociétés secrètes, ces doors fermées, comme on dit en anglais. Que pensez-vous de l'interdiction faite aux ours de boire de la vodka en Russie? Dans ma qualité d'ursidé, par exemple, moi je peux dire qu'étant né au Moyen-Âge, j'ai été enchaîné et compagnie, et on m'a fait boire du rhum brun, je suis devenu un ours brun. Par contre, je crois qu'une petite vodka blanche, ça te fait des beaux ours polaires, mais je sais pas ce qu'il y a. Polaire. J'ai connu un panda géant qui a agressé et bouffé son dresseur parce qu'on lui avait fait boire du whisky. Ben non. Donc, ça s'appelle le bal. Ici, vous voyez qu'il y a des anciens bâtiments. Vous voyez le bâtiment qui est ici sur le côté. C'est un bâtiment du musée. Je me demande si. Mais là-bas, vous voyez un bâtiment qui est du. On m'injectait de l'oxyde de graphène dans la bite si je pourrais bander à distance avec un émetteur 5G. Bon, j'en sais rien, mais si tu as du graphite dans la bite, c'est de la mine de plomb, tu arriverais sans doute à dessiner exactement la chapelle de Michel-Ange à jus de pisse sans t'inquiéter. Mais avec la 5G, j'en sais rien, peut-être qu'on va tweeter un peu moins bien. Bon. Petit oiseau. Si tu veux vraiment bander, je te conseille le Viagra. Viagra, c'est. Agra, c'est une ville en Inde, ça n'a rien à voir, c'est le Taj Mahal, quoi. Il y a non, c'est Taj Mahal. C'est la capitale du Pakistan, une ancienne république de l'ex-URSS. De quoi tu parles, dans quel. Qu'est-ce qu'il connaît ton Pakistan? Est-ce que vous pensez que les merles, ces petits oiseaux noirs avec un bec jaune, sont moqueurs uniquement sous prétexte qu'ils ont un bec jaune? Le bec jaune était au Moyen-Âge le symbole de la lutte contre la peste bubonique, on y mettait des herbes aromatiques. Et ça les rendait moqueurs. D'où l'origine de Mockingbird en anglais, j'imagine. Moi, quand j'étais aztèque, par exemple, je me souviens qu'on dépeçait des colibris et on s'en faisait des petites peaux comme ça. Ça puait sa race, mais Dieu sait que l'âme du guerrier chez les Aztèques, c'était se réinventer en colibri. Et on les a niqués, ces fils de pute d'Olmec. Ah, je me demande, tiens, si Lady Di s'était appelée Lady A, elle aurait peut-être pu avoir un autre destin, style, je sais pas moi, aux États-Unis, First Lady. Et mieux même, si elle s'était appelée Lady B, est-ce qu'elle aurait pu faire partie des Beatles? Non, mais peut-être Reine de Belgique. C'est pas le temps. Lady B, Lady chez B. Les Beatles, il y a peut-être moyen. Lady B, Lady B, Lady B. Ouais, ça pouvait marcher. Même ça. Ça pouvait marcher. Ouais. Bah, Lady F, elle aura peut-être été prof de philo en France. Qui sait, Lady Z. Comme Lady ça, ouais. Lady Z, c'est, je sais pas, Barthélémy, petite moqueuse. En Barthé, c'est moqueuse et Lémy, petite. Après, je me demandais, moi, mais c'est juste une question d'organisation. Mais je me dis, franchement, si, comme les chiens, on avait deux périodes de rut, tu vois, tous les 6 mois, ce serait peut-être pas plus facile pour madame la juge, tu vois, ça lui ferait des vacances, et nous aussi, à ma mère. Ouais. Elle se mettrait le code pinal tous les 6 mois? Ah, le code pinal, c'est bon. Code pinal, oui, c'est un peu leur godemiché, c'est pas un godemiché pour les juristes. Après, pour l'urbanisme, elle saurait quand se faire démonter. Et ça lui ferait des vacances. Par contre, pour une Normande un peu bourgeoise, le code des successions, c'est un godemiché aussi. Pensez-vous que le monde a été créé en 7 jours par une souris d'ordinateur alcoolique? Eh hey mec, je croyais que c'était encore des disquettes à l'époque. Faut que tu reviennes en arrière aussi. À l'époque, c'était des putains de disquettes. Est-ce que Dieu est plat? Est-ce que la Terre est plate? J'ai envie de dire, est-ce que Dieu arrive à rentrer dans un putain d'ordinateur? Qu'est-ce qu'on dit? J'en sais rien. Moi, je souris. Eh, bla 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 bla.
Your philosophy.